YouTube, bande de losers, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, ça va vraiment super, amis. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où, on va parler ensemble d'un YouTuber qui s'appelle Fernando. C'est un YouTuber espagnol, voilà. Il y a à peu près un mois, au 1er avril 2017, il avait posté une vidéo comme quoi que Rockstar lui offrait GTA 6 en avance. Donc voilà. Donc je remercie l'abonné en question qui m'a balancé ce petit cette petite vidéo qui m'a fait étonnamment rire. Parce que clairement c'est un fake, hein. Rockstar ne donnerait pas GTA 6 comme ça en avance, voilà, surtout pas un youtubeur de ce type là. Voilà, j'ai pas trop regardé son contenu. Mais c'était assez marrant, en fait, de ce que j'ai pu comprendre et voir. Donc du coup voilà. Donc je pense pas qu'il aurait donné ce type de contenu. Enfin, Rockstar aurait donné ce type de contenu à un youtubeur, voilà, qui est pas vraiment. Donc du coup voilà. Excusez-moi, il y a eu un blanc en fait, je sais pas pourquoi. What? En fait, attendez. What? Donc du coup voilà. Je vous mettrai sa vidéo quand même, d'hitboxing dans la description. Vous la verrez. Moi personnellement, ça m'a fait bien rire parce que bon, j'ai pas trouvé ça vraiment très folichon. Enfin, quand je dis folichon, c'est vraiment très satisfaisant et surtout que quelque chose que je crois pas du tout, mais bon, c'était assez marrant parce que bon, au moins il a tenté. En plus, cette vidéo elle a fait pas mal de vues, donc tant mieux pour lui. Et c'était juste hilarant en fait de voir cette vidéo là, voilà, de voir son fake. En tout cas, il a fait un bon boulot sur la jaquette et sur le CD. En tout cas, bravo à lui pour le boulot qu'il a fait en fait. Hein. C'est assez marrant et surtout bah, ça fait parler un peu de lui tout ça. Donc c'est bon, voilà, pourquoi pas. C'est assez marrant ce petit fake. Donc voilà, je voulais quand même vous en parler parce que bon, on m'a proposé ce sujet de vidéo. Je me suis dit bon, bah pourquoi pas. Ça peut toujours être marrant. Donc voilà. Donc pour ceux qui posent la question, effectivement, non, il n'y a aucune sortie. Il n'y a aucune sortie de prévue. Ou pour le moment. Et voilà. Donc là, ça va faire bientôt 3 ans que GTA il est sorti, je crois, de mémoire. Je me trompe pas. Bon, si je me trompe, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. Et il est pas prêt de sortir, pas avant, au moins facilement, peut-être 2 ans, je dirais comme ça à la loupe, quoi. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo, les gars, elle vous aura plu. Je vous laisse aller découvrir par vous-même la petite vidéo du trailer espagnol. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Merci du soutien. À la prochaine. Ciao, bye bye.